Le port autonome de Douala est désormais partenaire de l'Institut africain d'informatique IAI. Armand Claude Abanda, la plus haute autorité intercamerounaise de l'Institut inter-État d'enseignement supérieur dans le domaine de l'informatique, et Cyrus Ngo, le directeur général du port autonome de Douala, ont procédé ce 25 août 2017 à Douala à la signature de la convention y relative pour sceller ce rapprochement professionnel. Il faut le souligner, le partenariat entre l'IAI Cameroun et le port autonome de Douala porte globalement sur la maîtrise des technologies de l'informatique et de la communication par les personnels du PAD, la fourniture des services informatiques, le renforcement des capacités du personnel du port. L'IAI Cameroun devient le conseiller stratégique en matière de conception, de développement et d'acquisition des solutions informatiques pour le port autonome de Douala. Et il est très important que, à l'ère du numérique, que le port autonome de Douala, selon la volonté de son directeur général, puisse effectivement automatiser les activités de cette entreprise. Et il est question effectivement de dématérialiser les actions pour qu'elles soient plus compétitives, plus performantes et plus rapides, pour que les usagers soient plus satisfaits de ce qui est donné comme action concrète. Pour sa part, le top management du port autonome de Douala a pour mission de susciter l'adhésion et la participation de son personnel, accompagner financièrement et techniquement les programmes sociaux de l'IAI Cameroun, entre autres MIGEF 2035, AFM et bien d'autres. Et je pense que la formation du personnel va venir accompagner cette volonté réelle du directeur général du port autonome de Douala à faire en sorte que le port autonome de Douala soit plus compétitif et plus performant. Le port de Douala, engagé dans une phase de développement et de modernisation, a besoin des hommes et des femmes bien formés, capables de manipuler l'outil informatique. L'IAI et l'IFTICSUP ont été choisis pour accompagner le port de Douala vers cette ambition.